avocat. Et je vais vous parler aujourd'hui de cybersécurité et comment se protéger de la fraude légale et réglementaire. La révolution que nous vivons actuellement pousse les entreprises à opter pour un investissement technologique majeur qui, dans le but d'assurer cette fameuse transformation digitale. Alors aujourd'hui, cette transformation, elle nécessite pour les entreprises de faire face aux menaces et aux risques qu'elle engendre. Et l'ensemble des outils que l'entreprise utilise aujourd'hui la rend de plus en plus vulnérable aux risques qui sont engendrés par la cybercriminalité. Alors la cybercriminalité, c'est quoi? Ou plutôt la cybersécurité, puisque le terme aujourd'hui le plus employé n'est plus cybercriminalité, mais cybersécurité. Eh bien, c'est un sujet qui concerne toute attaque ayant pour objectif un système d'information, mais aussi toute infraction qui est commise au moyen d'un système d'information. Alors, faire de la cybersécurité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui et surtout, pourquoi faire? Pourquoi aujourd'hui il est devenu essentiel en tant que chef d'entreprise de réfléchir à cette problématique? Eh bien, je ne sais pas si vous voyez bien, mais si je me mets ici, je me pousse un peu. Eh bien, aujourd'hui, c'est une nécessité pour tout simplement assurer la pérennité de l'entreprise, sa compétitivité et une meilleure productivité. La cybersécurité, elle permet surtout aussi et aussi d'engendrer de la confiance de ses clients et ses partenaires. Et les entreprises, aujourd'hui, avant plutôt, elles optaient pour une croissance externe. Et aujourd'hui, elles investissent très lourdement dans la cybersécurité pour être à jour, pour prendre un temps d'avance ou du moins pas un temps de retard. C'est extrêmement important. Le vice-président de la Commission européenne parle de l'absence de compétences numériques comme une nouvelle forme d'illettrisme. Donc c'est quand même assez fort comme image. Et je mettrai ça également en parallèle avec une étude assez intéressante, ou du moins une réflexion assez intéressante qui a été portée par Laure Belot, qui est une journaliste du Monde, et qui a écrit un ouvrage assez intéressant sur la déconnexion des élites. Et aujourd'hui, un chef d'entreprise, si je peux résumer comme ça, s'il n'est pas à la page par rapport à la cybersécurité, et s'il ne met pas aujourd'hui la cybersécurité parmi ses préoccupations, c'est une forme d'illettrisme pour lui, et c'est aussi un risque d'être en retard par rapport à l'ensemble de ses concurrents. Donc, il convient aujourd'hui d'assurer le minimum requis en matière de cybersécurité. Pourquoi? Eh bien pour éviter les mises en cause, pour éviter les risques non seulement qu'une entreprise aujourd'hui est en capacité de subir du fait de la cybercriminalité, mais aussi vis-à-vis de ses partenaires et ses clients, puisque même si le chef d'entreprise, l'entreprise aujourd'hui va subir des préjudices du fait de la cybercriminalité, eh bien elle va aussi en générer auprès de ses clients et donc devoir réparer le préjudice qu'elle génère et qu'elle est en capacité de générer chez ses partenaires et chez ses clients. Donc la cybersécurité, ce n'est pas uniquement une question technologique, et je m'en excuse, c'est aussi une question juridique, elle induit évidemment une gestion des risques organisationnels et des risques humains. Alors, quelques chiffres, parce que j'ai moi-même été extrêmement surprise lorsque je me suis intéressée au sujet. Plus de 2/3 des entreprises françaises ont été victimes de fraude ces 24 derniers mois. Clairement, la cybercriminalité explose. Je serais curieuse de savoir combien d'entre vous, si il y a des chefs d'entreprise ici, ont été touchés, mais je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser cette question, parce qu'en général, on évite de communiquer sur le sujet. La France figure parmi les pays du monde le plus touchés. La donnée de l'entreprise aujourd'hui, c'est le premier actif. Pour information, il y a quelques années, le premier actif de l'entreprise, c'était son actif immobilier. Donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, on est en plein en cœur du sujet. Et l'investissement de fait, l'investissement lié au domaine de la sécurité, figure parmi le troisième rang des dépenses de l'entreprise pour 2017. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la cybercriminalité, à notre échelle, à nous, en France? Je ne vous parlerai pas des chiffres mondiaux, mais aujourd'hui, on considère qu'il y aurait plus de 500 millions depuis 2010, 500 millions d'euros depuis 2010, en chiffres, voilà ce que ça représente. Encore une fois, il y a beaucoup de confidentialité autour de cette problématique, donc je pense qu'on peut majorer très facilement ce chiffre. Et pourtant, on fait un constat, alors même que ces chiffres sont quand même édifiants, finalement, beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui ne sont absolument pas sensibilisées et déclarent ne pas disposer soit d'un plan de sécurité, d'une charte informatique et encore moins de faire appel
à une société spécialisée en matière de sécurité informatique ou un informaticien qui serait compétent en la matière pour mettre en place des choses pertinentes pour se protéger et pour protéger son SI. Alors la sécurité informatique, quel est son cadre légal? Il n'y a pas de texte uniformisé aujourd'hui, puisqu'on a un certain nombre de lois, de règlements et de directives qui existent. Ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va vers un accroissement de toutes ces dispositions, parce qu'aujourd'hui, très concrètement, quelqu'un un délinquant, enfin quelqu'un qui veut se livrer à des atteintes vis-à-vis d'une entreprise ou d'un tiers, il serait complètement suicidaire de sa part d'aller voler une banque. Il est bien mieux aujourd'hui d'aller voler de la donnée plutôt que d'aller voler des fonds dans une banque, clairement. Donc aujourd'hui, la loi suit cette évolution-là aussi des infractions. On a le code pénal, donc je ne vais pas vous faire la lecture des codes, des articles du code pénal, parce que ça serait très ennuyé pour vous. Très concrètement, enfin en quelques mots, le code pénal, il y a une loi, la première loi qui existe, elle est de 1988, elle parle de la fraude informatique. C'est la première loi qui a réprimé les actes de criminalité informatique et de piratage. On a bien évidemment la loi informatique et liberté de 1978, qui, malgré son caractère un peu ancien, est aujourd'hui au cœur des préoccupations sur notamment la donnée personnelle. La loi de programmation militaire également. La loi de programmation militaire, évidemment, c'est pour lutter contre les attaques qui seraient faites à notre pays. On a la loi sur le terrorisme, notamment. On a également des normes réglementaires, des normes françaises, qui sont également assez importantes en la matière. Enfin, on a des directives européennes, dont un fameux règlement qui a été pris tout dernièrement et dont on va beaucoup entendre parler. C'est un règlement qui date du 4 mai 2016 et qui va être applicable en 2018. Mais on va en entendre parler pourquoi, parce qu'il est destiné notamment à régir la problématique des données personnelles. Mais surtout aujourd'hui, quelqu'un qui va faire de la collecte de données personnelles, aujourd'hui il y a déjà un cadre assez contraignant, mais là on va vraiment au-delà. C'est-à-dire que celui qui va collecter de la donnée personnelle et qui ne va pas être en mesure d'assurer la sécurité de ses données personnelles, il y aura des sanctions très fortes, puisque notamment s'il y a une défaillance qui est relevée sur la confidentialité, la sanction peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel et mondial du contrevenant, ce qui est quand même hyper important. Et puis il y a surtout une nouvelle disposition qui n'est pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, certaines entreprises qui étaient dites sensibles avaient cette obligation de déclarer à la CNIL lorsqu'elles étaient fait pirater des données. Je ne sais pas si vous avez en tête l'exemple d'Orange qui ne l'avait pas fait, mais du coup qui s'est fait rattraper par la CNIL et qui a fait une belle publicité sur Orange lorsqu'il s'est fait piquer un paquet de données. Aujourd'hui, avec ce règlement, on a une obligation de notifier la violation des données personnelles et à défaut de notification, il y aura une sanction de 5 ans et 300 000 euros d'amende. Donc, voilà ce cadre légal. Il y a des obligations de sécurité renforcées, comme je viens de vous l'énoncer, donc, qui concernent les données à caractère personnel, qui concernent également les fournisseurs de services de communication électronique. Il y a un cadre assez spécifique. Et puis, il y a les opérateurs d'importance vitale, ce qu'on appelle les OIV, qui sont généralement des opérateurs privés ou publics, qui exploitent des établissements, qui utilisent des installations. S'il y avait un dommage en fait et une indisponibilité ou une destruction à la suite d'un acte de malveillance, en pareil cas, si ces dommages-là risqueraient de porter atteinte en gros à la sécurité du pays, à la santé des personnes, etc., ces entreprises-là ont des obligations très contraignantes. Mais il est important de noter que la cybersécurité aujourd'hui est en telle croissance que on tend à faire peser sur les entreprises, TPE, PME prochainement, les mêmes obligations qu'on a hier imposées à des entreprises dans des secteurs un petit peu particuliers. Donc quelle est la responsabilité spécifiquement du chef d'entreprise par rapport à la cybercriminalité? Non plus, je ne vais pas vous faire lecture des articles du Code civil, mais en gros, le chef d'entreprise, il a une responsabilité du fait personnel pour faute.
Et puis, il a également une responsabilité tout à fait personnelle pour négligence ou imprudence. Et puis, à côté de sa responsabilité propre, il a également une responsabilité en qualité de commettant vis-à-vis de ses préposés qui sont ses salariés. Il est responsable également de ses salariés lorsqu'ils agissent et qu'ils commettent des fautes, et notamment des fautes qu'on pourrait qualifier, enfin qui intéressent la cybercriminalité. Il faut retenir une chose, c'est qu'en cas de défaillance de son système d'information, le dirigeant d'entreprise engagera sa responsabilité, comme je vous l'ai dit. Et donc la politique de sécurité qui doit être mise en place aujourd'hui par un chef d'entreprise, elle doit garantir la disponibilité des ressources et des informations, l'intégrité des données, la confidentialité des données et la traçabilité des accès aux informations. C'est ce qu'on lui demande aujourd'hui au chef d'entreprise. Il doit s'assurer également, dans la mise en place d'un certain nombre de choses, que tout cela est bien proportionnel. Parce que le chef d'entreprise, il doit vis-à-vis de ses salariés, il y a des limites, il ne peut pas faire non plus n'importe quoi, et ce qu'il veut... pour contraindre ses salariés à ne pas utiliser un SI comme il le souhaiterait. Alors, juste un petit exemple, un salarié, par exemple, qui réalise des détournements d'argent à son profit sur son temps de travail, s'il agit dans le cadre de ses fonctions, il engage la responsabilité de son employeur aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'il faut penser, c'est qu'en cas de contentieux, lorsqu'on va devant le juge, il pense surtout à la solvabilité. Donc il va aller un petit peu, quand même, plus facilement condamner celui qui sera le payeur en réalité. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une augmentation des décisions relatives à l'utilisation des moyens informatiques par les salariés, très clairement. Il y a une tendance de la jurisprudence donc à retenir majoritairement la responsabilité de l'entreprise pour des raisons de solvabilité, comme je viens de vous dire. Et donc, le chef d'entreprise, pour éviter de mettre en jeu cette responsabilité-là, il doit mettre en place un certain nombre de choses. En plus de la responsabilité civile, le chef d'entreprise a une responsabilité également pénale. Donc, je vais passer assez rapidement dessus, parce que la responsabilité pénale, il y a un grand principe qui veut que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Ça veut dire que si le chef d'entreprise lui-même n'est pas l'auteur d'infraction qu'il a commis et que c'est son salarié, pénalement, il ne pourra pas avoir une condamnation. Donc ça, c'est important. En réalité, le risque pénal du chef d'entreprise, il est assez limité, mais le risque pénal, lui, du salarié, s'il commet une infraction, de toute façon, il pourra être sanctionné sur le plan pénal. J'avais un exemple à vous donner. Non, je vous donnerai après parce que là, ça va être moi, pardon, excusez-moi. Alors, la responsabilité, on a parlé de la responsabilité des chefs d'entreprise, mais il y a également donc la responsabilité des salariés, comme je viens de vous le dire. Il a une responsabilité envers son employeur, puisque s'il commet une faute lourde dans l'exécution de son contrat de travail, il y aura des sanctions qui pourraient être prises contre lui. Il a également une possibilité d'être sanctionné lorsqu'il cause un dommage à des tiers, et puis il a cette fameuse responsabilité de pénale lorsque lui, il commet des fautes dans le cadre de l'exécution de son contrat. Alors, bien évidemment, il y a des choses à faire pour éviter que son salarié fasse un certain nombre de choses et se livre en fait à des actes qui pourraient être qualifiés de cybercriminalité. Il y a également la responsabilité des SI et la délégation de pouvoir. Je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Les délégations de pouvoir, elles sont souvent mises en place au sein de l'entreprise parce que le chef d'entreprise, il la délègue volontiers à son service informatique, enfin à son responsable SI, parce que ce n'est pas son métier. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans les entreprises. Alors, à noter quand même que pour être fautif, le DSI, lui, il doit avoir été à l'origine de la faille de sécurité qui a entraîné l'infraction pénale. À défaut, ce n'est pas lui qui sera en première ligne de cette responsabilité, mais l'employeur. Pour exemple, le DSI qui a accédé au système d'information pour une finalité étrangère à son habilitation, tout en ayant eu la volonté, la conscience de commettre ce délit, lui, il engagera sa responsabilité en qualité de salarié. Donc sur le sur le sur le comment
c'est-à-dire l'application du code civil et surtout sur sa responsabilité en tant que préposé. Alors, la délégation de pouvoir, juste quelques petits mots sur cette délégation. Et évidemment, elle doit répondre à des impératifs. Et attention, je vous engage à bien vérifier lorsque vous faites des délégations de pouvoir, que vous soyez salarié d'ailleurs ou employeur, hein, mais vérifiez le contenu de vos délégations de pouvoir pour vérifier tout simplement si elles sont bonnes ou pas, parce que dans le cadre d'un contentieux avec son salarié, ou si son salarié veut se dégager de la délégation, eh bien, il pourra soulever un certain nombre de problématiques et surtout des mentions qui n'auront pas été indiquées dans la délégation. Alors, côté employeur, très clairement, la délégation, c'est quoi? Bah, c'est une façon de se défausser aussi de sa responsabilité, puisqu'on transfère, c'est un transfert de responsabilité et de compétences à un tiers qui est en l'occurrence son salarié. Voilà. Alors, quelles sont les solutions juridiques qui peuvent être apportées dans le cadre de la cybersécurité? Elles sont donc de plusieurs natures. Vous avez des solutions juridiques, mais vous avez également des solutions pratiques. C'est peut-être la partie qui est un peu plus volumineuse de mon développement. Vous avez les chartes informatiques et les codes éthiques qui donc peuvent être mises en place et qui doivent être mises en place par le dirigeant. C'est quoi une charte informatique ou un code éthique qui est mis en place au sein de l'entreprise? Eh bien, c'est un document dont l'objet est de définir les droits et les obligations qui concernent l'utilisation du service du système d'information de l'entreprise. Il établit également et définit les règles de sécurité à l'égard de tous les utilisateurs potentiels du système, donc les dirigeants, les salariés, les visiteurs, les partenaires. La charte préconise la composition de l'ensemble du système d'information d'entreprise, donc quel est le parc informatique. Et puis, elle informe également les moyens de surveillance qui sont utilisés par l'entreprise. Donc ça, c'est un document qui est extrêmement important et qui, à minima, doit être mis en place, que je recommande vraiment à tous les chefs d'entreprise de mettre en place. À noter également que pour qu'une charte informatique soit opposable aux salariés, elle doit répondre à un certain nombre d'obligations et notamment, elle doit être annexée au règlement intérieur. Souvent, on la fait signer également avec le contrat de travail du salarié. Enfin, il y a un certain nombre de préconisations, un peu comme les délégations, pour que ça soit valable. Et pour lui donner toute sa puissance au niveau disciplinaire, il faut également qu'elle remplisse certaines obligations. Là encore, la charte informatique pour l'employeur, c'est une manière aussi de limiter sa responsabilité en cas de contentieux, en montrant, surtout en cas de contentieux et en cas de dommage à un tiers, en démontrant qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a mis en place des process au sein de l'entreprise, qu'on a expliqué aux salariés comment le SI devait être utilisé, ce qu'ils avaient le droit de faire, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, parce que c'est vraiment ça l'objectif d'une charte informatique. On a également le dispositif d'alerte professionnelle. Alors ça, c'est un document, enfin c'est un process qui est un peu particulier. C'est un dispositif en fait qui est mis à disposition des salariés qui leur permet de signaler au chef d'entreprise ou à une autre personne qui est désignée, notamment le DSI, le RSSI, qu'il y a des pratiques illicites pouvant sérieusement affecter l'activité d'une entreprise ou engager gravement sa responsabilité. Il ne s'agit pas de dénoncer son petit copain qui fait des choses mal, mais en tous les cas, ça, c'est une manière de suggérer en interne, en tous les cas, qu'il y a des pratiques qui sont mauvaises, mais ça vient compléter une charte informatique ou une PCSI, mais ça vient pas, ça ne peut pas exister de manière seule. Enfin, moi, je ne le préconise pas. Après, il y a la politique de sécurité des systèmes d'information, PCSI. Donc, ça, c'est un outil qui est beaucoup plus complet que la charte informatique. C'est un document de référence en matière de sécurité du système d'information et définit les objectifs à atteindre et les moyens mis en œuvre pour y accéder. Donc ça, c'est un document, même titre que la charte informatique, qui doit exister aujourd'hui et sur lesquels, pour lesquels les chefs d'entreprise doivent également réfléchir. Ensuite, on a également... en parallèle, on a le respect des normes réglementaires et ISO. On a également l'audit de sécurité. C'est bien gentil de mettre en place une charte informatique ou une PSSI,
Mais si on est tout seul dans son coin et que on n'est pas en capacité de vérifier finalement quelles sont les failles, quel est notre niveau d'exigence par rapport à la sécurité en interne de notre entreprise, eh bien je dirais que le travail est à moitié fait. Donc ma recommandation, c'est également de procéder à des audits de sécurité au sein des entreprises pour vérifier quel curseur on va mettre et les niveaux de sécurité exigés en fonction de mon activité, en fonction de mes risques, en fonction de mon système informatique. Et ça, aujourd'hui, c'est une démarche à faire et c'est une démarche, à mon avis, qui va être de plus en plus pertinente, notamment lorsqu'on mettra en place une assurance, et j'en parlerai un peu plus tard dans ma présentation. Et puis enfin, il y a la formation des salariés qui est extrêmement importante dans les solutions pratiques, puisque ce qu'il faut noter quand même, c'est que une étude qui a été faite par PwC en 2016 relate très clairement que le taux mondial d'incidents de cybersécurité provenait de plus de 30% des salariés. Ça veut dire que la faille de sécurité, elle est en interne à hauteur de 30%. Elle vient en interne de l'entreprise. Après, c'est 30% d'anciens salariés. Alors, c'est quoi ces anciens salariés? C'est sans doute des salariés qui sont mécontents, qui ont quitté l'entreprise ou qui ont été mis dehors à tort ou à raison et qui vont exploiter de la donnée, qui vont aller piquer des fichiers de l'employeur avant de partir et qui vont l'exploiter. Donc ça, il y a énormément de contentieux et énormément de jurisprudence sur la matière. Et puis, il y a 20% des prestataires, ça devient également 20% des prestataires de services et des conseillers, 10% des fournisseurs. Alors pour revenir sur les salariés en interne de l'entreprise, naturellement, si le chiffre est aussi important, ce n'est pas que les salariés en interne veulent nuire à l'entreprise, c'est que tout simplement, ils ne sont pas formés aux dangers aujourd'hui que l'on rencontre en matière de cybercriminalité, et que si déjà le chef d'entreprise prend soin de former ses salariés en leur disant « attention, voilà comment fonctionne le système informatique, voilà quels sont les risques que vous pouvez rencontrer dans le cadre de son utilisation et si le chef d'entreprise avise ses salariés concrètement des mails qu'ils peuvent recevoir, de l'attention qu'ils doivent porter sur les mails, du fax, enfin on voit notamment beaucoup de cas de faux fax envoyés avec des changements de coordonnées par exemple de fournisseurs. Méfiez-vous, je vous invite à vous méfier de ça, si vous recevez un fax et formez votre secrétaire à ça en disant attention, si un fournisseur nous appelle et nous envoie un fax en nous disant qu'il a changé de coordonnées bancaires, passez un coup de fil pour vérifier si c'est vous, parce que c'est une fraude qui est aujourd'hui assez commune. Il y a la fraude aussi au président, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc le président de la société, un faux président qui appelle et qui dit à l'un de ses salariés, il faut absolument faire comme si un virement, comme par hasard c'est en Chine, on met bien la pression sur le salarié pour que ça soit fait très très rapidement, et ça paraît anecdotique, mais c'est une réalité aujourd'hui, et donc ça passe aussi par la formation des salariés, évidemment des choses assez évidentes. On a parlé tout à l'heure, le précédent intervenant a parlé des mots de passe, mais c'est évidemment essentiel. Donc voilà les solutions aujourd'hui juridiques et pratiques qui peuvent être mises en place dans l'entreprise. Alors, je voulais également vous parler de l'assurance et de l'entreprise, parce que je vois beaucoup, j'assiste et je conseille des chefs d'entreprise, et bien souvent, enfin toujours d'ailleurs, on aborde le sujet de l'assurance responsabilité civile professionnelle d'entreprise, et je suis toujours étonnée de voir que certains de mes clients ne sont pas forcément assurés lorsqu'on n'en a pas l'obligation. Il y a des métiers où on est obligé d'être assuré, d'autres où on n'a pas d'obligation d'être assuré. Donc je suis toujours assez surprise, donc j'engage tous les chefs d'entreprise qui sont présents à se doter d'une bonne assurance responsabilité civile. Mais ça n'est pas suffisant, puisque lorsque on parle de cyber risque et de cybercriminalité, on se rend compte que souvent ces risques-là sont complètement exclus en fait de l'assurance responsabilité civile professionnelle classique. Je parlerai également de la perte de données, puisque la perte de données, qui est un peu la tête de gondole de la cybercriminalité, elle est bien souvent exclue en réalité des polices d'assurance. Et vous verrez également que dans les conditions générales de vente de vos partenaires, clients, peut-être vous-même, si elles sont bien faites, vous excluez aussi le risque que vous pouvez causer
éventuellement, si vous causez un dommage à un tiers, vous prenez bien soin d'exclure que s'il y a une perte de données, vous n'allez pas la couvrir, que ce n'est pas votre job. Donc attention à ça. Donc évidemment, il faut s'assurer contre le cyberrisque, c'est important. Et puis, c'est un marché qui est en plein essor aujourd'hui. Alors, ça fait maintenant 10 ans que ça commence à grimper gentiment. L'assurance est un outil de management des risques parmi les autres, c'est très clairement. Il y a plusieurs assureurs qui sont positionnés sur le marché. Il faut quand même relever que les décideurs et les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils sont encore confrontés à la technicité de la matière. Et donc, ils ont du mal à se doter d'une bonne assurance ou du moins à trouver le bon outil qui va répondre à, finalement, le vrai risque, les risques qu'ils sont amenés à rencontrer. Donc, il n'y a pas d'harmonisation légale en la matière. Et pour certains d'entre vous qui ont peut-être déjà pris attache avec les assureurs, les courtiers, vous verrez que, finalement, il y a autant de garanties qui sont proposées que d'assureurs. Donc, c'est un peu difficile de faire son choix par rapport à ça. Mais c'est important, si vous voulez mettre en place une assurance responsabilité, une assurance dédiée au cyberrisque, discutez-en avec votre DSI, avec le spécialiste de l'informatique de votre entreprise, si vous en avez un, parce que lui sera à même, évidemment, de vous orienter sur les risques éventuels. Et puis, je parlais d'audit de sécurité. Il y a de plus en plus d'assureurs, il y a beaucoup d'assureurs qui exigent en fait qu'un audit de sécurité soit fait avant la souscription de la police, tout simplement pour savoir exactement quels sont les contours des risques de l'entreprise et pour que ça adhère effectivement aux risques rencontrés par l'entreprise. Et puis il y a le contrat de protection juridique, on n'en parle pas souvent. Souvent vous en avez souscrit un à l'occasion de votre... peut-être votre police d'assurance civile dans le cadre souscrite pour votre maison, pour l'assurance de votre maison. Votre assureur vous aura proposé une protection juridique. Sachez qu'il y a également une protection juridique qui peut être proposée dans le cadre d'activités professionnelles. C'est un produit assurantiel qui est également intéressant. Alors, le contrat d'assurance dédié au cyberrisque, généralement, quand même pour revenir sur celui-ci, il y a trois volets. Il y a la phase de crise avec la couverture d'assistance et la gestion de crise, la phase garantie qui est actionnée en cas de réclamation de tiers, et puis la phase de prise en compte des conséquences pour l'entreprise. L'assurance, comme je vous l'ai indiqué, l'assurance dédiée à la cybersécurité, il y a plein de risques qui sont garantis. Alors, ce n'est pas automatique, faites attention, vous pouvez avoir les trois premières lignes et puis pas les autres dans les contrats qui vont se proposer. Donc, vous voyez un panel des risques qui peuvent être garantis, les virus informatiques, l'indisponibilité du réseau, les actes de malveillance, les pertes ou dommages aux biens numériques, la cyberextorsion, qui est pas mal à la mode aussi en ce moment, et puis tout ce qui concerne la réputation avec la diffamation, les injures, etc. Donc l'assureur est en capacité de vous proposer des solutions dédiées à ces risques-là. Malgré les solutions d'assurance qui sont en place, il ne faut jamais oublier en tant que chef d'entreprise que tout ce qui concerne la perte d'image, la dégradation de la réputation ou la perte d'un avantage concurrentiel ne sera jamais pris en considération par une assurance. Et le problème de la cybercriminalité, c'est que avant tout, si l'entreprise doit s'en soucier, c'est parce qu'elle génère une perte de confiance, une perte d'image, une perte de concurrence vis-à-vis de l'entreprise. Donc ça, malheureusement, aucune assurance n'est en capacité de vous indemniser par rapport à ça lorsque vous rencontrez ces difficultés. Voilà. Alors, pour conclure sur ce sujet, il y a une multiplication des textes, clairement. Il y a une multiplication des sanctions. Il y a une multiplication de la cybercriminalité elle-même. Il n'y a pas que les entreprises cotées au CAC 40 ou au Nasdaq qui font aujourd'hui l'objet d'attaques de leur système d'information. Donc il y a vraiment une nécessité de renforcer sa propre sécurité en interne, mais aussi dans ses rapports avec ses sous-traitants. Il y a beaucoup de jurisprudence qui mettent le doigt sur la responsabilité d'une entreprise qui a sous-traité à une autre. Sachez que ça n'est pas parce que vous sous-traitez que vous êtes entièrement libéré de vos obligations vis-à-vis
du client. Donc faites attention à ça, beaucoup de jurisprudence. Et donc je vous invite aussi autre chose, on passe d'une obligation de moyens à une obligation de moyens renforcée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui est attaqué sur le volet de la responsabilité liée à des actes de cybercriminalité, il va devoir démontrer qu'il a tout mis en œuvre dans sa société pour éviter ce risque. Et un juge sera toujours plus indulgent avec une entreprise qui aura démontré qu'elle aura mis en place des process, qu'elle aura fait des audits, qu'elle aura mis une charte, qu'elle aura fait de la formation à ses salariés. Le juge sera beaucoup plus tolérant avec ces chefs d'entreprise-là que l'entreprise qui n'aura rien mis en place, qui aura peut-être même eu conscience des difficultés et des risques qui pouvaient engendrer des dommages à l'étier, mais à son entreprise lui-même. Donc n'oubliez vraiment pas ça, le contentieux est là pour le prouver. Donc, pour conclure, la prévention et l'anticipation dans le domaine de la cybersécurité, elles prennent vraiment tout leur sens. Voilà, je vous remercie. Intéressante, un guide de bonne pratique est établi par l'ANSSI qui peut aider les chefs d'entreprise donc à mettre en place des bonnes pratiques en leur sein. Un communiqué de presse du gouvernement et puis un livre intéressant que j'ai parcouru qui est sur la cybersécurité au-delà de la technologie, qui n'est pas très technique mais qui montre bien l'importance pour les entreprises de prendre à bras le corps ce sujet. L'enquête PwC sur la fraude qui est accessible sur le net. Et puis un autre guide qui est également à disposition gratuitement sur le net, le guide de la cybersécurité pour les dirigeants d'entreprise qui balaye notamment les deux volets que j'ai abordés avec vous, mais bien d'autres sujets encore. Voilà. Si vous avez des questions, pardon. Est-ce que ces problèmes ne sont pas des problèmes qui sont plus anciens? Je prends par exemple le problème de la gestion du personnel. Je ne suis pas juriste, mais je me rappelle bien, on doit avoir l'obligation d'un code du travail de former les salariés aux nouveaux outils, dont l'informatique. L'obligation de moyens, l'obligation de pouvoir oblige à avoir les moyens mis en place, et ça existait déjà bien avant l'informatique. Et quand on voit ce qui se passe en informatique, par exemple le chef de paiement, le réalisé par les stagiaires, après, c'est pas bon. Ça s'appelle le gestion, d'accord. Donc ça me semble être un problème qui existait déjà bien avant. Au moins, enfin, les nouveaux outils permettent encore plus de choses. Il y a les mêmes textes, en effet, vous soulignez, en matière de droit du travail, qui n'est pas ma spécialité, mais qui est relativement connu, évidemment, le salarié, dans le rapport employeur-salarié. L'employeur a cette obligation de former le salarié. Et donc, c'est étendu à tout ce qui est système d'information aujourd'hui. Et ça ira crescendo. Je voulais revenir sur la partie délégation de pouvoir. Je ne suis pas très au fait de la pratique en RH ou en droit du travail. Pourquoi? Vous pouvez donner un exemple concret de cas de délégation du travail envers le responsable d'informatique? La délégation? Oui, la délégation de pouvoir. C'est signature de contrat, c'est le DSI qui va signer les marchés différents avec des entreprises prestataires, par exemple. C'est la mise en place d'un certain nombre de process liés au service informatique. Il y aura une autonomie en réalité du RSI. La délégation, elle doit être limitée. Pour être valable, elle doit être limitée. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui encadre la responsabilité potentielle du DSI. S'il agit ou pas dans le cadre de la délégation, il contrôle la délégation qui lui a été formée. D'accord, donc ça c'est. Donc il y a un transfert de responsabilité qui se fait, alors qui est limité. On parle pas de pénal, hein, là, on parle de pénal, vous allez consulter des sites. Alors oui, c'est un vrai sujet pour les salariés. Il y a eu récemment un arrêt en matière de droit du travail. Si le salarié va consulter des sites
en matière du droit du travail, hein, et que l'employeur a décidé que ça constituait une faute alors même qu'il n'avait pas mis en place de charte, etc., eh bien, il ne va pas avoir gain de cause sur ce terrain-là, ce qui ne va pas, évidemment, annuler la responsabilité du salarié au niveau pénal sur sa responsabilité propre. Mais la délégation, elle transfère, une responsabilité, elle transfère des pouvoirs à un individu, et donc une responsabilité qui est en adéquation avec les contours de la délégation. Tu as répondu à votre question, toi ? Non. Ah oui, tout à fait, ça n'a rien à voir, vous pouvez avoir un contrat de travail sans délégation. Oui, tout à fait, délégation de signature, délégation... Justement, pour faire suite, quand il y a un chef d'entreprise où on n'a pas spécialement les compétences, vers quelle profession juridique ou autre on peut se tourner pour soit être accompagné, soit avoir des conseils? Est-ce que c'est aller vers notre cabinet comptable qui a souvent une structure juridique à côté? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est un juriste? Est-ce que... Vers quel type de profession on peut s'orienter? Alors, moi, j'ai envie de dire à chacun son métier. Voilà. À chacun son métier. Donc, il n'y a pas une seule bonne réponse. Hein. Il faut en effet s'entourer de gens compétents. Moi, j'ai absolument aucune compétence technique en informatique. Mon rôle en tant qu'avocat, c'est de sensibiliser les chefs d'entreprise et de mettre en place notamment la rédaction d'une charte informatique. Ça relève de mon domaine. La PSSI, ça va relever du domaine, ça va pas relever de mon domaine précisément, mais plutôt d'un informaticien ou d'une structure informatique dédiée à la sécurité informatique. Il se trouve aussi que vous avez, enfin, les entreprises peuvent avoir un partenaire ou un prestataire, je veux dire, compétent en informatique. Après, est-ce que ce prestataire a des dispositions particulières en sécurité? Pas toujours. Donc c'est à lui d'être... Enfin, voilà, de vous dire, oui, moi je sais faire, je sais pas faire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas un seul interlocuteur. Vous pouvez pas, c'est la mise en place d'une politique globale en matière de cybercriminalité, elle est technique, elle est juridique, elle est assurantielle. Justement, il n'y a pas un nouveau métier qui permet d'accompagner les... Non, parce que moi je vais pas voler le métier de SINAC, pour pas les citer, je ne vais pas voler le métier non plus des assurances, et eux non plus, donc... À chacun ses compétences. Merci. C'était juste pour éventuellement notre retour d'expérience. On parlait tout à l'heure de formation, de mise en cause du chef d'entreprise ou du délégataire de pouvoir. En matière de formation, est-ce que vous avez déjà un retour là-dessus? Est-ce qu'il y a des salariés qui ont opposé le fait qu'ils n'étaient pas... La charte, ça je comprends bien, c'est le grand classique. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas faire. Par contre, en termes de formation, parce que c'est un propos qui est régulièrement entendu et retenu, comme en matière de défense. Je ne savais pas comment faire pour rentrer mon mot de passe, pour sécuriser l'accès, pour mettre un mot de passe sur un fichier, je ne sais pas. Est-ce que c'est des choses où vous avez un retour d'expérience? J'ai pas vraiment de retour d'expérience en sécurité informatique, j'ai plus de retour d'expérience sur des clients qui sont fournisseurs de solutions informatiques et notamment de maintenance. Où là, la formation a tout son sens parce que la maintenance, lorsque on définit pas finalement quelle personne est capable de remonter l'incident et qu'on se retrouve avec n'importe quelle personne de l'entreprise cliente qui appelle pour dire j'ai un problème avec mon écran, il est tout noir et qu'on n'a pas mis en place ne serait-ce qu'une petite note pour dire alors avant d'appeler le support, vérifie que votre ordinateur est branché, c'est un peu ça. Alors après, c'est du bon sens et j'imagine pas qu'un salarié, d'abord, en a-t-il le droit, encore une fois, je suis pas compétente en droit social, mais je ne pense pas qu'il ait le droit de s'opposer à une formation qu'il doit suivre en interne. Comme une formation qu'il doit avoir pour un logiciel métier pour faire son travail. Je vois pas comment il peut s'opposer à ça. Mais j'ai pas de retour d'expérience. Ce qui est sûr, c'est que moi, à titre personnel, j'ai malheureusement très peu de clients, j'en ai, mais je crois que ça doit représenter 20% de ma clientèle qui prend à bras le corps la problématique de la sécurité informatique. Et aujourd'hui, cette année, j'en ai qui se sont manifestés. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi des vols de données, des pertes de données. Et c'est souvent le cas. Voilà. Donc, ouais.
Merci Axel pour ces précisions. Je pense que vous pouvez la réapplaudir une dernière fois.